Eh bien, salut tout le monde, c'est Super Léo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 du LP. Donc, on arrive dans le Nether, donc c'est un peu le carnage, hein, le spawn du Nether. Et ça l'est encore plus par le fait que je viens de perdre mon stuff, c'est pour ça que je suis tout nu. Et que mon stuff se trouve là-bas et qu'il faut que j'aille le chercher. Donc, je vais essayer de l'avoir avant qu'il despawn. Très sympa, parce qu'en fait je vais me faire tirer par un ghast, donc ça c'est pas cool. Vous c'est que je le prenne là, hop 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 hop, voilà. Donc j'avais pas beaucoup de stuff, hein. J'avais juste ce qu'il me fallait pour me battre contre des wither squelettes. Et voilà, je vais me foutre là pour l'instant, ça je peux me faire toucher. Et donc on va voir si j'ai bien récupéré mon stuff, parce que normalement je l'ai. Donc ça c'est la SMI 4, il me faut exactement, là c'est ma sharpness 4. J'ai ma bouffe qui est juste ici. Mon arc, on va mettre juste là, avec les stacks de flèches ici. On va mettre là, suivant ce qui nous sera le plus utile. Et ça, après, ça c'est de la farm à faire. Parce qu'on vient d'avoir, je viens d'avoir 20 stacks, je crois, de... Ouais, 20 stacks de... On va tuer. Oh, yes, l'épée. Oh non, je l'ai pas eu à l'épée. Avec la looting, j'aurais pu avoir tout de suite une... Ah quoi, attendez, on va essayer de l'avoir. Oh, j'ai plus de bouffe. Oh, horrible, horrible, horrible de plus avoir de bouffe. Oh, horrible. Bon, c'est pas grave. Donc on va aller voir s'il y a des wither squelettes. Oh, tu te calmes toi, je te dis. Tu te calmes. Et voilà. Et ça va flamber. Yes, je les ai eus. Vas-y, allez. Vous voyez, avec une looting, les larmes de ghast, on en a vraiment, vraiment plus. Donc, juste voir pour les sons. On va augmenter un peu, mais on va baisser. Donc, ok. Hostile créature, on va baisser. Et on va baisser... voilà, ça. Donc, voilà, c'est tout. Wow, il y a des blazes. Alors, ça, c'est horrible, les blazes. Hein. Quand on est dans le nether, c'est vraiment... Hop. Donc on va aller voir s'il y a des wither squelettes, parce que là il n'y en a pas, et là normalement devrait y en avoir. Il y en a vraiment beaucoup ici dans cette forteresse, j'ai vu déjà une fois. Et donc notre objectif c'est d'avoir 3 têtes de wither pour bien sûr, 3 têtes de wither squelettes pour bien sûr nous battre contre le wither et avoir en fin d'épisode un beacon. Donc ça va pas être très compliqué, j'ai du temps devant moi. Excusez-moi si je regarde pas tout le temps, parce que j'ai pas non plus la possibilité de record, parce que surtout qu'il est quand même tard. Donc donc il n'y a aucun wither, c'est bizarre. De toute façon je vais attendre qu'il spawn, hein, et quand j'en vois qu'il spawn, de toute façon je reviens vers vous. Mais donc je voulais juste finir en disant que il n'y aurait pas toujours je vais pas vous montrer à chaque fois que j'ai un crâne ou je sais pas quoi. Enfin, je vais essayer, mais ce sera pas toujours possible. Donc voilà, donc je vais surtout que ça va s'étendre sur plusieurs jours la vidéo, parce que c'est vraiment long d'avoir des crânes de wither squelettes, à part si j'ai vraiment de la chance, mais bon voilà. Donc je vais vous laisser là, et dès que je vois un wither qui spawn, un wither squelette, bah je reviens vers vous. Donc on se retrouve là, je suis en face d'un wither squelette, et il y en a un qui est normalement juste derrière. Enfin, s'il ne despawn pas, il sera toujours là. Et donc on va essayer d'avoir un crâne, hein, donc on va employer la manière normale. Hein. Donc non, on n'a pas eu de crâne. Maintenant, il était où l'autre? Il était là-bas, mais est-il encore là? Non, parce que... Alors, les wither squelettes, parfois, ça dépop, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, donc là, si on a déjà eu un qui a spawn, ça veut dire qu'il y en aura plus dans les minutes à venir. Donc bon, j'espère en avoir assez. Donc je reviens vers vous encore une fois, dès que j'en ai tué un, ou sinon dès qu'il y a un drop par terre. Voilà, voilà, donc voilà, à tout à l'heure. On va essayer de faire un team fight avec lui. Aïe, enfin, un team fight, il n'y a pas de team, donc c'est un fight tout court. Allez, hop, 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 allez, viens sur mon épée. Et non, on n'a rien eu. Donc c'est tellement normal qu'on ait rien, c'est plutôt genre... Enfin, la normalité c'est qu'on n'ait jamais rien de toute façon avec ces wither. Donc bon, voilà. Ouais, je viens tuer un ghast. Hop, qui peut m'en donner. Moi j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai qu'un demi stack, donc
Et bah non. Voilà. Donc on se retrouve après. Et donc voilà, donc on se retrouve en différé. Donc j'ai eu un crâne du Weezer, donc je le récupère. Donc oui, je dis bien qu'on se retrouve en différé parce que on se retrouve en différé par rapport à la vidéo car mon micro n'était pas activé au moment où je faisais ça. Donc comme vous pouvez voir, bon voilà, je cherche encore la baston contre certains Weezer et tout. Donc c'est hyper accéléré, hyper vite parce que j'avais parlé, j'avais fait un speech énorme. Comme quoi j'ai cherché du diamant et que truc, je me rappelle même plus ce que j'ai dit. C'était il y a déjà un moment. Donc voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne vers chez nous et j'expliquais donc qu'on va se faire une superbe armure. Donc on va aller XP des mobs à la ferme à XP, on va aller miner du diamant, on va aller aussi se. Donc tout ça, c'est pour se préparer pour se battre contre le Wither. Donc on va aller aussi, bien sûr, préparer des potions en plus pour ça. Pour après, donc en fin de vidéo, donc se diriger vers là. Se diriger vers le Nether, et parce qu'on va aller se faire le Wither dans le Nether pour d'une façon assez sympa. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la fin de ce petit magnéto en accéléré, même si je suis pas énormément sûr que ça vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai ramassé quand même énormément de loot dans tout ce périple au Nether. J'ai passé plusieurs jours, n'empêche. Donc comme vous pouvez voir, c'était plutôt éprouvant. Enfin, pour moi qui ai passé beaucoup de temps, et cet achèvement, donc comme vous pouvez voir, avec les trois têtes du Wither, hein, qui sont superbes, c'est top. Voilà,
Donc, je vais vous laisser et on se retrouve dans une mine pour aller miner du diams. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Et voilà, donc pour préparer notre stuff contre le Wither, je suis allé miner pour chercher du diams et pour me faire une armure tout en diams que après je vais enchanter. Et j'ai déjà trouvé 14 diams et là je vais continuer. Et vu que j'ai déjà trouvé un autre filon, enfin 14 diams, j'en ai trouvé bien moins, mais c'est juste que j'ai une fortune, donc avec une fortune on peut tout faire. Faisons attention. Bon, d'accord. Moi j'attaque trop de. J'attaque trop en affront, je sais pas. Bon. Alors, on va juste jeter. Parce que je suis parti en grosse minoptie, hein. Voilà, je vais pas chercher. Hein. On va prendre la redstone. C'est toujours utile. Et là, un diamant. Wow. Oh, j'ai plus de. Oh là là, faut que je fasse super attention moi. C'est dangereux ce que je fais. Donc ce que j'ai pour ramasser du diamant. Hop. J'aime bien miner du diamant, n'empêche, c'est sympa. En tout cas, c'est pas quand il y a beaucoup de lave. C'est toujours le même problème d'ailleurs. Hop. En plus là c'est un gros filon. Ouais, mais il drop plus, hein. Ah, voilà. Voilà, et voilà. Et là, on a exactement 26 diamants. Donc, on peut faire une armure. Et une épée. Mais bon, une épée, on en a déjà une, donc c'est bon. Donc, je vais voir si j'en retrouve encore. Et si j'en retrouve. Parce que là, j'ai l'air d'avoir une caverne. Donc, si j'en retrouve, je reviens vers vous. Allez, à tout à l'heure. Et bien, en fait, on va revenir au même endroit. Parce que regardez ce que j'ai vu. Hop! Je suis allé juste ici et là il y avait du diamant donc c'est vraiment ouais, on a de la chance là, c'est top. Donc je vais le miner, attendez, la redstone je le ferai après. Hop, on prend ça au moins. Alors hop hop hop, on va placer ça, on va reprendre un peu de bloc. Hihihi. Allez, je prends deux blocs, on sécurise le diams. Il y a de la lave en dessous. Non, il n'y a pas de lave, mais en tout cas, il y a plusieurs diamants. Ça, c'est top, top, top. Allez, 1, 2, 3, ouf, 4. Ouh, le long filon. 5, et le sixième. Oh, dommage, la fortune n'a pas fait beaucoup effet, là. Donc, je... Enfin, pas beaucoup. Avec 6 minerais, j'ai quand même eu, au lieu de 26, j'en ai eu 40. Donc, avec 40 diamants, c'est top. Bon, bah, vous savez quoi, je vais essayer d'avoir un stack, comme ça, au moins, je serai tranquille. Donc on se trouve si je retrouve encore du diams. Et voilà ce qu'on trouve. Du diamant ici et du diamant ici. Wow. Oh là 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 là. Il faut pas que je tombe dans la lave. Il y a de la lave juste derrière moi. Ça aurait été un peu bête. Hop. Donc on va tuer les mobs. Et on va aller chercher tout ça. Donc on va prendre de la cobble. On va sécuriser le périmètre. Hop hop hop, je sais pas combien il y a de diamants. Plus il y en a, je sais. Bon, il n'y en a que deux. Enfin que. Toujours ça. Hein. Surtout que lui nous donne. Ok. Bon. Oui, ça lag un peu parfois le serveur. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est larvé. Hein. Et là, on a du diam ceci. Voilà. Est-ce qu'il y en a deux? Parce que la génération du diam c'est un peu bizarre. Et voilà. C'est ça. Il spawn généralement en, comme ça en deux petites parties, deux colonnes côte à côte. Pourquoi il y a de la cobble là-bas? C'est peut-être un donjon. Alors, en tout cas, il y a des poulettes, donc ça on va les tuer parce que depuis qu'il y a des bugs avec les enfin, tous les zombies là qui prennent les œufs là et qui les spawnent plus après, ça c'est un problème. Donc on va régler ça tout de suite. En plus. C'est super dangereux là. Ouais, c'est un spawner. Oh, cool. On peut peut-être avoir du bon loot. Hop. Mais alors, ce sera un spawner de quoi? Toi, déjà, on te tue. Toi, on va te jeter. Voilà. On va garder l'œuf parce que c'est un problème.
Et là, alors on va voir ça, un spawner de quoi? Un spawner à zombies. Oh, mais comme c'est dommage. Bon, on va le péter. Parce qu'on en a rien à faire. Truc de dingue. Truc de fou, comme on s'en fout. Hop, 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 allez. Allez, les gars, c'est bien, c'est cool. Vous allez vous battre. Non, allez. Donc là, on a des CD et on a rien. Oh là là, le loot pourri. Le loot pourri, le loot pourri. Qu'est-ce qui est utile? Bah, je vais garder le seau. Parce que je crois que c'est la seule chose utile dans tout ce qu'il y a là. Et sinon, je vais prendre un des disques. Hein. Je pense pas que j'en ai besoin de 10 000. Quoique, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ça je m'en fous. Power. L'arrêt de... C'est quoi, je vais faire une table de craft. Oh, non, j'ai pas de... Putain. Je l'ai jeté. J'ai dû l'acheter tout à l'heure. Bah, je vais jeter ça. Et ça. Voilà, on va prendre ça. Et on va garder les CD, parce que les CD, ça peut être utile. On ne sait pas si des gens en veulent. Et si on peut vendre ça, ça peut être top. Donc voilà. Donc on va se laisser là, on va remonter à la surface. J'ai 53 diamants, ce qui fait beaucoup. Et deux armures en diamants, déjà, si on compte comme ça. Et donc voilà, donc je vais remonter. Toi, à mort. C'est quoi ça? C'est bizarre. Donc voilà, donc je vais remonter à la surface et je vais aller faire des enchantements à la farm à squelettes avec des livres que j'avais déjà préparés juste avant. Allez, on se retrouve là-bas. Bon, juste, hein, y a encore du diams. Je vais péter juste le bloc là. Vous savez, on était dans le petit couloir là, un peu bizarre. Et je pète juste le bloc, je vois une faille. Qu'est-ce que je vois? Du diamant. Je crois que, je sais pas pourquoi, mais genre quand je tourne et que je cherche du diams, j'en ai toujours 4 fois plus que quand je tourne pas en fait. C'est genre... Ouais, c'est débile ce que j'ai fait, mais... ouais, c'est hyper bizarre. Il y a pas de diamant autour. Non, il y a pas. C'est dommage. Donc, ouais, on se retrouve à la fin. Et donc, on se retrouve à la station de minage pour récupérer le stuff qu'on a miné. Donc, là, normalement, tout est arrivé. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je reprends tout un peu. Voilà, donc ça nous fait presque un stack de blocs de redstone. Hein. Moi, je dis que ça va très 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 bien. Et là, on va voir pour ça ici. Ah oui, il y a de la stone qui n'avait pas été cuite. Oui, parce qu'en fait, ils avaient cuit de la stone la dernière fois. Donc, c'est un peu bizarre, mais... Donc, on a ça, mais bon. Au fond, on s'en fout, on va la laisser là. Parce qu'il y en avait, ils mettaient de la stone pour chauffer vite. Parce qu'on n'a toujours pas de grosses salles des fours. Donc, eux, ce qu'ils aiment faire, c'est mettre donc la stone... enfin ramener leur cobblestone et mettre la stone ici. Donc j'aurais dit de faire attention, parce que quand même ce système n'est pas non plus fait pour ça. Et c'est pour ça qu'on va créer dans les futurs épisodes une vraie salle des fours entre guillemets. Donc on fera ça un peu plus tard, mais là c'est bloqué, j'ai l'impression. Peut-être à force qu'ils fassent leur truc, hein. Parfois ça peut-être bloquer, on sait pas. J'allais voir où c'est qu'on va aller voir, comme ça on va voir le problème. Parce que c'est vrai que à force qu'ils fassent leur truc, parfois peut-être que ça peut devenir un problème. Donc ouais, là il y a ça en fait. Ouais, donc c'est exactement ça, c'est ce que je pensais, c'est qu'il y a eu un... Je sais pas comment le refaire partir. Moi aussi, je sais en fait. On va prendre hop ça, on va le mettre ici, et normalement... Ça va partir. Et normalement, c'est pas censé s'arrêter. Donc, on va regarder. Voilà, bon, on fait ça en vidéo. De toute façon, à part tuer le Wither aujourd'hui et faire un picon, on va pas faire grand chose. Donc, autant faire ça. Donc, là, normalement, ça sera activé bien. Voilà. Et là, il n'y a plus rien dans le minecart. Ok, donc normalement, ça c'est bon. Voilà, donc on va aller voir si ça cuit bien. Hop. Normalement il n'est pas censé avoir de problème, hein. C'était juste que le système, avec le fait qu'ils mettent de la stone, ça a différencié les items à cause du fil. Bon, ça a un problème. Voilà, et donc là, effectivement, ça marche bien. Donc ça, la stone, encore une fois, il y en a. Donc c'est bien, c'est exactement ça. Donc je récupère tout ça et après on se retrouve donc à la farm à squelette qui a été redesignée par Cyber. Voici cette nouvelle. On va dire. Ce nouveau grinder à squelette, donc designé par CyberSDF, auquel
Il y a une fonction qui est très très bien et c'est ça. Quand la lampe s'allume, ça veut dire qu'il y a pour 30 levels de squelettes. Donc là, vu que je suis 15 levels, je vais activer moi-même le système et m'en occuper tout seul. Mais quand je n'aurai plus de level, et ben je t'attendrai. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que pour les tuer, alors en fait, on appuie là et là comme ça, on les tape. Normalement, c'est censé marcher. Allez, on doit se mettre là. On les tape et là, on va avoir du fait. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Donc, ça marche comme ça. Et après on peut réappuyer et là en fait ça reprend, ou sinon bah il y a manuellement, on peut aussi fermer et activer ça, et ça c'est assez sympa, comme ça au moins il n'y a pas d'autres qui viennent. Mais là regardez, par exemple si je tape pas continuellement, et bah j'aurais pas d'XP, mais bon c'est pas trop grave hein. Et après regardez, on peut ouvrir, hop, il y a besoin de réappuyer, non, ah non, je pense que c'est comme ça juste, voilà. Voilà, donc c'est un peu bizarre, hein, mais je pense que si on sait bien s'en servir, normalement c'est bon. Donc voilà, donc quand il y aura... Hop, là on va éteindre tout. Oui, on va éteindre, voilà. Donc là tout est éteint, et donc quand la lampe s'allumera, il y aura pour 30 level. C'est grâce à la plaque de pression qui est en dessous, donc je vais vous montrer au cas où le système, pour ceux qui veulent savoir. Donc, hop, derrière. À quoi que bon, non. Bon, bah je vais pas le montrer parce que c'est derrière des blocs et tout, mais... Au cas où, demandez-moi et on fera ça avec Cyber. Allez, on se retrouve dès que j'ai 30 levels pour un enchant. Mais en fait, après un moment de réflexion, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de faire des gros enchants. Enfin, je veux dire, j'avais prévu les livres, donc on va plutôt faire ça et enchanter quand on a toujours un level. Comme ça, en plus, ça nous coûtera rien. Donc, sachez que les 15 premiers levels valent le même nombre d'XP. Et qu'après 15, à chaque niveau, il faut plus d'XP pour arriver à l'autre niveau. Donc c'est un peu bizarre, mais en gros, jusqu'au niveau 15, c'est toujours la même XP, donc on va pouvoir récolter à chaque fois 15 levels, faire 15 enchantements de livres, à part si on a ce qu'il faut avant. Donc ce qu'il nous faut, c'est des livres protection 1, hein, en fait, c'est juste ça. Voilà, donc on va essayer d'en avoir, hein. Voilà, on en a là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker ça, stocker notre inventaire dans un... Donc ça sert à rien, puisque, hop, on va foutre ça... Bon, on va mettre ça là pour le moment. Hop, voilà, là et là. On va mettre ça là. Est-ce qu'on va foutre... On va mettre tout notre stuff ici. Tac, 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 tac. Là, hop, on va garder juste les bouquins sur nous. Et mettre tous les protections hein, dans notre barre du bas. Voilà. Et voilà. Et là, on va continuer. Ah, bon, j'ai oublié de garder les livres. Et ce qu'on va continuer, c'est d'enchanter des livres. Et de toute façon, on fera ça... jusqu'à avoir des livres P4. Hop, comme ça, vous faites hop, 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 tac, tac, hop, 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 hop. De toute façon, il nous faut je sais pas combien de livres P4 si on veut une armure full P4. En tout cas, pour les bottes et le casque, je ferai un enchantement. Non, que pour les bottes, je ferai un enchantement avec... un enchantement normal quoi, enfin avec les bibliothèques et tout, parce que c'est une meilleure idée pour moi je trouve, parce que pour avoir Feather Falling 4 sinon ça va être assez compliqué. Allez hop, il faut trouver, voilà, hop, non je suis tombé, et le dernier, voilà. Donc là regardez, si on regarde bien, protection 1, protection 1, hop, protection 1. Il faut prendre tous les protections, hein. On va les mettre en dessous. Hop, 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 hop. Là, il y a du protection. Et j'ai plus de protection sinon. Ok, donc ça fait... Alors, il y a un zombie là. On va s'en débarrasser tout de suite. Ah ouais, il y en a plein. Bon, je sais quoi, je vais prendre mon épée. Ah, c'est bizarre qu'il y ait des zombies. Ah, mais il y a un gros trou et tout. Bon, bah là avec ça je peux déjà faire, alors on a combien, protection 2, protection 2, ça fait protection 3 tout ça. Et en fait il faut avoir 8 livres pour avoir un protection 4 en fait. 8 livres protection 1, et pour l'instant on en a que 6, donc de toute façon
Je vais m'en occuper, je reviens vous voir dès que j'ai tous les P4 qu'il me faut et on va voir après les niveaux qu'il nous faut. Et aussi pour le dernier enchantement sur les bottes. Et donc on se retrouve avec de quoi faire des enchantements. Donc on a deux livres P4 pour aller sur le chestplate et sur le pantalon. Et après donc là ça je vais l'enchanter seul. Et le chapeau aussi, enfin le casque. Et sinon j'ai un enchantement que je vais pouvoir faire aussi, c'est un Power 3 Unbreaking 3 que je vais ajouter avec un Power 3 Infinity 1 et ça fait 34 levels, donc il faut que j'ai 34 levels. Mais donc pour l'instant ce qu'on va faire en premier c'est on va faire ça. On va faire hop. Et celui-ci. Ouais, qu'on renommera peut-être une fois, je sais pas combien ça coûte, ouais, voilà. Ça coûte 20 de renommée pour ça. Ça coûte 22. Je sais pas pourquoi ça coûte plus cher pour ça, enfin bon. Donc on renommera peut-être un jour, hein, mais là pour l'instant c'est pas encore ça le truc. Donc là on a déjà ça en P4. Donc on est déjà bien protégé. Et là on va avoir... bah, j'attends d'avoir 34 levels pour avoir l'arc. Et après je pense qu'on pourra aller se battre contre le wizard. Enfin, et aussi on va faire les enchantements sur les bottes et sur le casque. Donc voilà, on se retrouve à la table d'enchantement pour... pour enchanter le casque et puis le... Non, on se retrouvera à la table d'enchantement pour enchanter les bottes, le casque je le ferai hors caméra et les bottes comme ça voilà, comme ça j'aurai les 24 levels parce que je vais faire à... Non, 26 levels, je vais le faire à 26 levels pour les bottes et voilà. Donc allez, on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve avec 26 levels et on va enchanter ces bottes, allez, 1 et le 2 et le 3. Et le 4, et le 5, et le 6, 7, et le 8, on fait toujours 8, parce que, voilà, super 8 Léo, voilà, je sais pas, c'est le chiffre qui me porte la chance, donc ce sera toujours comme ça, même si ça se trouve, je vais avoir un enchant pourri, parce que sur mon casque, j'ai eu un enchant pourri, et c'est un enchant pourri, mais bon, c'est pas grave, on va dire, allez, quoique... Ah, j'ai peut-être quelque chose que je vais pouvoir faire. Parce que j'ai d'autres bottes que j'avais enchantées, je crois, en caméra. Je m'en rappelle plus. Qui étaient des bottes en diamant, protection 3, unbreaking 3. Et donc si je peux les assembler, ça ferait du protection 4, unbreaking 3. Ce qui serait vraiment bien, même s'il n'y a pas Feather Falling. Ça fait des très bonnes bottes de combat. Donc on va voir avec ça. Et sinon, bah, pour le cas, j'ai eu un enchantement pourri. Fire protection 3, Aqua Affinity 1. Donc bon, voilà, c'est pas trop grave non plus, mais je pense que pour battre un Wither, on a ce qu'il faut. Enfin, j'en ai jamais vraiment battu, hein, donc je sais pas. Mais donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien ça va me coûter si je veux faire l'enchantement là que je vous ai dit. Et je reviens bah, dès que je suis prêt, en fait. Même pas dès que je le... Enfin, dès que j'aurai fait l'enchant, mais ça se trouve, je vais pas le faire vu que ce sera pas possible. Donc je reviens dès que je suis prêt à faire le Wither. Et on se retrouve. Et je pense que je préparerai peut-être d'autres choses. Donc ouais, peut-être que je vais faire des potions. Donc on se retrouvera devant les potions qui seront en train de se faire. Et bien on se retrouve en enchantement. Donc on peut ajouter mon ancienne paire de protection 3 and breaking 3 à la nouvelle protection 3. Pour avoir un protection 4 and breaking 3. Et on va appeler ces chaussures. Je voulais les sandales d'Hermès, je pense que c'est bien. Je sais pas, ça peut être cool. Voilà, comme ça. Oh, c'est top. Donc on va faire ça. Hop, voilà. Donc les sandales d'Hermès sont posées ici. Donc là on a tout ce qu'on a ici. Bon voilà, c'est notre armure. Hein. On est prêt pour se battre contre le Wither. Donc j'ai bien le Power 4 Unbreaking 3 Infinity 1. Et j'ai fait donc dans mon chez moi ici. J'avais tout préparé. Hop, si vous avez vu, j'avais fait un petit stand de brewing, hein, normal, et donc j'ai préparé toutes ces potions là et j'espère que ça va le faire. Je le sens tellement mal que bon voilà, mais j'espère que ça va le faire. J'espère que mon stuff je vais pas le perdre en 2 secondes, quoi. Donc j'ai pas la wither j'ai pas la, donc j'ai ma sharpness cake knockback 2, hein. J'ai pas la soul scène, mais de toute façon on va se diriger vers le nether et on va la récupérer sur le chemin. Et en fait c'est qu'on va se faire ce wither dans le nether, et donc
à n'importe quel endroit sur le toit. On va faire ça sur le toit du Wither, sur le toit du Nether. Voilà. Donc, je suis stressé parce que je m'étais dit, je vais quand même en faire un hors caméra, un petit Wither en solo et tout, avec les mêmes armures, les mêmes trucs et tout, comme ça, pas de problème. Mais non, j'ai pas eu le temps. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je suis celui qui a le plus de morts. Ah, je meurs tout le temps. Alors avec les Wither squelettes, quand j'ai commencé, j'avais 20 morts. Je crois que j'avais 20, 28 morts, un truc comme ça. J'en ai pris 10 de plus en me battant contre des Wither. Donc attendez, c'est quoi, on va récupérer tout de suite la Zulsen. On a besoin de 4, je crois. Est-ce qu'on en a bien 4? Voilà. Donc on va voir si notre arc fonctionne bien. Attendez, hop. Déjà si je me rate. Hop là. Oh, elle passe toujours en dessous. Voilà. Alors là, faut faire ici attention de ne pas tomber puisqu'il y a des trous, mais partout. C'est vraiment. Allez, donc j'espère que je vais y arriver. Alors, on va en haut. Hop. Donc c'est le chemin que je vous avais montré, je crois, dans le deuxième épisode, le premier, je ne sais plus. Je sais plus c'est quel épisode où je vous ai montré ça. Je crois que c'est le. C'est soit le 1, soit le 2, soit le 3. Donc je me rappelle plus, mais c'est un des trois. Donc on monte. J'espère que je vais me rappeler du chemin. Enfin, même si c'est un peu indiqué là quand même. Mais ouais, donc ça je m'en rappelle, c'est notre petite cabane. On va le faire quand même un peu loin de l'endroit où on est là, parce que sinon ça va être un peu le. Voilà, c'est là. Ça va être un peu. Oh là là, je stresse, un truc de malade. Donc on va essayer de rester dans là où il y a des trucs là. Hop, déjà on va manger. Oh, ça va être. Puis j'ai rien pour me protéger. Oh là-bas, il y a un portail. Bon, bah vous savez quoi? Allez, on y va. Hop, on va faire un. Hop, là. Voilà, on va préparer les trois têtes. Un. Deux, et on y va. On y va. J'ai ce qu'il me faut là. Donc on le charge. Hein. Dès le début, faut qu'on l'ait. Ce serait bien. Ouh, je stresse, c'est un truc de malade. Ah, surtout que j'ai pas pris les potions en fait. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est que je n'ai pas pris les potions. Je suis vraiment débile, moi. C'est un débile mental, ça marche de dingue. Allez hop, on va sur les Wither. Je sais pas ce qu'il peut nous faire. Ah bah il me demande si j'ai les trois têtes. Bah oui, bien sûr que oui, je les ai les trois têtes. On va nous battre contre le Wither. Allez hop. J'ai oublié de prendre la potion de speed, j'ai oublié de prendre tout. Donc. Vous savez quoi, c'est pas grave. Hein. Allez, allez. Je surveille mes cœurs quand même parce que. Allez, on peut toujours lui mettre pour l'instant. Hop. Allez, maintenant, à la main. Et. Il est fini. On l'a fini. Est-ce que j'ai l'étoile. J'ai l'étoile. Oh là, j'étais déjà en mage. Vas-y. Oh là, ça pète tout le. Ouais, on a tué le Wither. Je croyais qu'il y avait un achievement pour ça, franchement. Ils mettent même pas d'achievements pour avoir tué le Wither. Je trouve ça bizarre. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, je sais même pas les... Voilà. Bon, bah, c'était très facile. Moi qui avais vraiment peur. Je crois qu'on peut se le faire en... Ouais, on va garder l'étoile dans la main. Hop, au milieu. Bam, bam. Voilà, la Nether Star. J'ai la Nether Star. Donc on va aller se crafter un petit beacon. Donc je retourne à la base et on va se faire ça. Mais il drop pas d'XP. Mais il drop rien. Attendez, on va juste. Je vais juste revenir. C'est bizarre, il drop rien du tout. Je pensais que ça droppait un peu plus quand même un Wither, mais il faut croire que non.
Alors attendez. On va voir ça. Non, il n'y a pas de boule d'XP. Bon. Bah où est-ce que je vais mettre le beacon? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Je pense que je vais m'en utiliser. Je vais l'utiliser. Enfin, je pense que ça va être mon usage personnel quand même qui va passer en premier. Je pense que les gens peuvent comprendre ça. Mais de toute façon un jour on aura une wither farm, on aura des beacons partout dans la ville, ça va être top. Mais là pour l'instant je vais l'utiliser pour moi-même. Et déjà j'ai pas gardé le wither. Parce que en fait moi je m'étais dit bon bah je vais garder le wither et on va faire un truc que je vous expliquerai dans un autre épisode. Hein. Un jour j'irai rechercher des têtes de wither. Ça je le ferai vraiment hors caméra cette fois-ci. Et après on va se faire une farm. Et vous verrez des farms genre qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment hyper bien. Avec les wither c'est vraiment top. Et mais donc là donc je l'ai pas fait. On m'a dit vas-y un beacon comme ça ça fera profiter un peu tout le serveur. S'ils en ont besoin tu pourras leur prêter et tout. Donc je l'ai fait. Et en plus ça me permet d'avoir le premier beacon du serveur. Donc je suis un peu content quand même de ça. Et donc voilà. Donc là on est en back en normal. Oui donc si je l'ai fait sur le toit du Nether, c'était. Faites-le franchement sur le toit du Nether si vous voulez vous battre contre lui. Ou alors trouver des trucs si vous voulez vraiment y passer deux secondes sans perdre un cœur. Trouver des. Est-ce que mon armure elle a pris? Elle a rien pris. Trouver des. Comment on appelle ça? Des. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube qui vous expliquent des petits systèmes pour tuer le Wither en 10 secondes. Mais sinon ouais faites-le sur le toit du Nether si vous voulez pas avoir du mal parce que en fait dans l'overworld ils pètent les blocs et vous vous retrouvez dans des trous et tout et là ils vous canardent et là je vous dis c'est un truc de malade. Donc je sais même pas comment on craft. Déjà je crois qu'il faut de l'opsy ce que je n'ai pas. Donc déjà je vais aller chercher de l'opsy. J'ai ma pioche qui est là-bas et sinon il faut du verre que j'ai là-bas et un diamant si je me rappelle bien. C'est un diamant je crois. Ouais, c'est ça. Quoi que je sais même pas, c'est un truc de malade ça. Je sais même pas comment on craft un beacon. Ouais. Bah vous savez quoi, je vais aller chercher ça sur internet et je reviens juste après. Ok, on ira chercher de l'oxy si on a besoin, parce que je crois vraiment qu'il y en a besoin. Mais bon voilà. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Donc il nous fallait effectivement de l'obsidienne, donc je vais voir. Normalement il y a de la lave en dessous de ça, mais... Ah bah non, c'est bon, donc on a besoin d'obsidienne et pas de diamant. Je me suis complètement fourvoyé sur ça. Enfin trompé, mais... Je me suis complètement trompé sur le fait qu'il fallait prendre du... Alors ça c'est bon. Ouais, qu'il fallait prendre du... Bah du diamant. Oui, j'ai deux secondes en fait, parce que je réfléchis en même temps en fait par où sortir. Je sais, c'est un peu débile, mais... Par où est-ce que je suis rentré, moi, déjà? Je sais que je suis rentré par là, parce que... Il y avait une entrée, je ne sais où... Oui, ben, je ne sais pas par où rentrer. Donc, je vais chercher. Peut-être par là. Oui, c'est par là, je suis bête. Non, c'est par là. Non, oui, je suis pour le... Ah, mais si, c'est là. C'est vers là. Là, c'est la... Pour ceux qui regardent bien tous les tutos, c'était dans l'épisode 4, la station de minage. C'est l'endroit par lequel on monte. Et pourquoi je suis arrivé là? C'est parce que je suis allé dans la petite base où il y avait ça. Et bon, bah là, je remonte comme un débile, mais bon. On va sortir par là, on va voir s'il y a un chemin. Normalement on peut sortir, hein, je sais pas. Ils ne veulent pas. Voilà. Ah bah c'était pile par l'endroit auquel je suis rentré par là-bas. Donc ça tombe bien. Ça c'était la petite caverne de l'épisode 1. En fait je vous raconte des trucs, vous devez vous en foutre. Je crois que c'était de l'épisode 1 ou l'épisode 2, je sais même pas en fait. C'est ça qui est fou. Mais je me rappelle qu'il y avait une petite caverne tout près de chez moi. Et donc je suis passé par là-bas parce que je me dis il y aurait peut-être une source de lave proche de chez moi où on pourrait avoir des petites choses telles que il y a un creeper. Ok,
Donc on va se faire ce beacon. Les choses telles que de l'obsidienne, je voulais dire. Donc on va se faire le beacon. Beacon. Et voilà, nous avons un beacon. On va le poser juste pour faire le style. Voilà. Ah, ça rend super bien. C'est vraiment beau quand même comme objet. Hein. Donc voilà, donc on a notre beacon. Ça met toujours un peu de temps à péter. Et là tu vois, il ne drop pas. Il ne drop pas. Il y a du gros lag là, je sais pas ce qui se passe, mais vous imaginez, ça ne dropperait pas. Ce serait bizarre quand même. Ça ne veut pas se péter. Je dois laguer en fait, ça doit être juste ça. Yep, yep. Pourquoi ça se casse pas? C'est bon, une fois que c'est posé, on peut plus le reprendre, c'est ça? Oh là là, bon bah je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je dois laguer comme un... Comme je sais pas quoi. Je sais pas, on va voir. Non, même pas. Ah bah si. Si effectivement, je lag. Bon, on va se reconnecter au serveur et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve et normalement il sera possible de le péter. Alors j'espère parce que sinon on est mal barré, mais... Alors... Et oui, donc voilà, donc on a notre beacon. On va péter ce bloc là d'ailleurs aussi. Donc on a notre beacon, c'est top. Donc on va le ranger à un endroit un peu en sûreté. Donc derrière, alors je dis en sûreté, mais en fait c'est un genre de passage secret, mais en fait tout le monde connaît l'endroit ici, donc c'est un peu bizarre. Mais donc vous avez vu pour les potions, j'ai rien utilisé presque, mais bon, vaut mieux être prévoyant. Donc voilà, donc on a tué le Wither, on a le beacon. Maintenant, pour la suite de l'épisode, je sais pas ce que je vais faire. Alors en fait, je me demande pourquoi ça s'est pété là. Mais je pense que c'est peut-être au niveau de la flamme. Parce que j'ai remis ça la dernière fois et là ça s'est rebarré. Donc je pense que c'est au niveau de la flamme. Voilà. Donc c'est pas trop grave, hein, okay, on mettra des blocs solides. Mais donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant ce qu'on va faire c'est... Bah donc je vous ai dit, je vais trouver quelque chose à faire pour la suite de l'épisode parce que je pense que ça a pas duré très longtemps. Et si ça a duré très longtemps, bah, on se laissera là. Mais au cas où je ferai une outro de toute façon, où le beacon sera installé à un endroit propice. Allez, on se retrouve juste après. Voici l'habitat d'un hobbit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même un beacon. Et oui, j'ai installé le beacon. Donc j'ai un jeu d'acteur complètement pourri, mais bon, c'est pas grave. On a un beacon. Juste, c'est la meilleure chose. Vous pouvez voir, regardez. Il est beau, il est frais. Il est là. Le beacon avec speed et régénération. Donc c'est top. Donc on a ça. Je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus pour l'épisode. Avec le petit montage pour les Wither, ça a duré quand même un petit moment. Peut-être en y réfléchissant. Non, il y a pas. Il y a vraiment. Je pense que cet épisode est fini. On se retrouvera pour l'épisode 11 du LP. Et je sais toujours pas ce que je vais faire. On verra bien, peut-être une forme à canne à sucre, peut-être, je dis bien, c'est juste une petite objection comme ça. Donc voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode, donc l'épisode 11. Allez, ciao tout le monde, c'était Super Léo.